On est un peu dans votre visite de la mairesse jeudi matin chez des commerçants du village. Je voulais juste avoir un qui vient de sortir le gars. Fait que là, plus vite, mais juste un. L'occasion de rassurer et de prendre le pouls dans ce quartier où le sentiment de sécurité s'est grandement détérioré dans les dernières années. En ce moment, on se sent un peu bien. Avec l'arrivée des terrasses qui s'en vient, on commence à penser un peu à... Comment protéger les clients. Pour faire face aux enjeux liés à la violence, la toxicomanie et l'itinérance, une cellule de crise a été créée l'an dernier avec ajout d'intervenants sociaux et augmentation de la présence policière. Il y a définitivement un effet de dissuasion dans le sens que les personnes, nos interventions en prévention évitent le dérapage. Ça va mieux, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui que tout est réglé. Je peux pas vous dire que la situation est parfaite parce que c'est pas vrai. À peine sorti du point de presse, il est 12h30 et des policiers et paramédics interviennent à quelques coins de rue de là auprès d'une femme à qui l'employé d'un bar vient d'administrer de la naloxone. On a découvert qu'il y avait une seringue sous la voiture. Fait que j'imagine que c'était une overdose. Vous, là, comme employé ici, comment sentez-vous de l'amélioration? Bien, c'est sûr qu'il y a eu une amélioration. On est en hiver. Le printemps s'en vient, là. On verra bien. On veut des résultats dans le village. C'est pas ce qu'on entend des commerçants, c'est pas ce qu'on entend des résidents et c'est pas ce qu'on entend des personnes qui vivent des situations d'itinérance. Comme hier, par exemple, il faisait beau, bien, ça commençait à ressortir. Il y avait des gens qui achalaient mes clients. Il y a un gars qui vendait de la drogue devant la porte. Appelez-vous la police? Ben, la dernière fois, j'ai appelé, puis j'attends encore. Ils sont rendus qu'ils défoncent les fenêtres de notre garage souterrain pour venir coucher la nuit. Là. Vous ne sentez plus en sécurité dans votre quartier? Pas du tout. Je sors même plus le soir. Trop dangereux. D'après les données révélées jeudi, le nombre d'interventions sociales dans l'arrondissement Ville-Marie a doublé en l'espace d'un an, passant à plus de 11 000 en 2023. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.